Bonjour, je m'appelle Faisal, je m'occupe de l'activité consulting de Sequoia. Donc dans cette activité, on englobe principalement l'offre GRC. Ce sont des activités ou des missions autour de la gestion des risques, de la gouvernance, de la conformité et des contrôles. Et nous intervenons également sur des problématiques assez complexes. Nous faisons du sur-mesure pour nos clients et on s'assure que les livrables sont de qualité, que la rigueur est là, le professionnalisme est là. Et nous essayons dans tous les cas de figure de faire, en tout cas, savoir que nous possédons une expertise assez forte sur ces problématiques-là et que nous pouvons aider nos clients les plus complexes dans des environnements les plus difficiles à l'international comme en France. Au quotidien, alors je peux participer moi-même à des interventions, je gère des équipes, je gère la qualité de service et en particulier la relation avec nos clients et partenaires. Nous intervenons sur plusieurs secteurs d'activité, principalement le secteur financier, mais aussi industriel, le secteur des services, en France et à l'international. Alors, ce qui caractérise Sequoia, c'est son esprit entrepreneurial, c'est l'agilité aussi du fait de la petite taille. Mais c'est aussi la qualité des talents qui aujourd'hui nous ont rejoints. Pour beaucoup, ils sont là depuis longtemps, depuis la création de l'entreprise. Et Sequoia est fortement implanté sur des sujets très innovants et notamment en matière de cybersécurité. Notre idée, c'est de ne pas faire de la croissance par du staffing ou du recrutement, mais principalement leverager et s'appuyer sur l'innovation interne. Et nous avons là-dessus des ambitions assez fortes. Et comptons principalement faire connaître nos expertises, notre savoir-faire. On travaille en ce moment sur une plateforme technologique sequoia.io qui demain va permettre d'offrir des services justement innovants en mode cloud et pour l'ensemble à la fois de nos partenaires et nouveautés également pour les clients directement ou indirectement en faisant intervenir, s'ils le souhaitent par exemple, leur propres consultants, leurs propres équipes internes. Et nous sommes sur ce sujet-là relativement ambitieux. Encore une fois, nous souhaitons développer le consulting autour de cette plateforme demain pour continuer à apporter des réponses sur mesure et adaptées aux problématiques complexes que rencontrent nos clients. Nous recherchons principalement des talents jeunes et moins jeunes, donc nous recherchons à la fois des juniors et des personnes expérimentées. Les qualités principales qui sont attendues sont principalement des qualités de rigueur, des qualités de professionnalisme. Nous cherchons également des personnes très compétentes, expertes sur leur sujet, des personnes qui souhaitent participer à cette ambition entrepreneuriale, participer au développement de cette plateforme technologique, participer au développement de ces offres innovantes. Et nous espérons faire mieux connaître notre savoir-faire, notre équipe et notre agilité du fait justement de notre taille et de notre historique d'entreprise plutôt très connotée start-up. Et aujourd'hui, nous souhaitons en tout cas faire savoir que nous avons de la place pour de jeunes talents, pour des esprits bien faits, des têtes bien faites, pour des personnes curieuses, impliquées, motivés, dynamiques, souhaitant en tout cas s'investir sur le long terme avec nous, auprès de nos clients et de nos partenaires pour délivrer encore une fois des offres à forte valeur ajoutée et des réponses adaptées aux problématiques de nos clients.